conférencier. Alors, principal conférencier, c'est monsieur ici, Abraham Weisfeld. Weisfeld. Abraham, il a complété ses études de doctorat en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, avec une thèse qui porte sur l'identité nationale réciproque entre les Palestiniens et les Palestiniens-Palestiniennes et le peuple juif. Il a vécu à Naplouse en 2011, pour 3 mois. Et il a travaillé avec le collège de l'université de Al-Najah, c'est ça? Oui. Ça, c'est en Palestine. Oui, en Palestine occupée. Donc, il a vraiment vécu dans le milieu palestinien. Et il est spécialiste, évidemment, des questions judéo-palestiniennes, mais aussi par ricochet du Moyen-Orient, parce qu'on ne peut pas s'intéresser à la question israélienne-palestinienne sans s'intéresser à tout le Moyen-Orient, parce que tout est interrelié dans cette partie du monde. Monsieur ici, c'est M. Théodore Tadros, qui est d'origine palestinienne, né en Palestine à Bethléem, au Québec depuis 42 ans, c'est ça? 48 ans. Au Québec depuis 48 ans, donc il connaît et il suit de près les problèmes de son pays d'origine. Il est d'origine chrétienne, mais il parle arabe parce que quand on est en Palestine, on est forcément arabisé. Et il a vécu aussi en Égypte, en Alexandrie, il a fait ses études et il est ici depuis ces années-là. Donc, il a un bon bagage de connaissances sur les questions palestiniennes et toutes les questions, les problèmes ethniques et, qui se passent dans ce pays-là. Donc, il y aura deux points de vue. Un d'Abraham, d'origine juive polonaise, né dans les ghettos de Varsovie, dont les parents ont été vraiment persécutés, qui vient, qui a vécu ici depuis combien, depuis combien d'années, d'ailleurs? Non, mon histoire, c'est plus compliqué que ça. Ah, ça, je sais qu'elle est compliquée. C'est ça. Vas-y, explique-le un petit peu avant de commencer ton parcours, ça pourrait. D'accord. Si vous pouvez suivre avec la caméra. OK, je vais essayer. Le loup. Alors, c'est peu intéressant que je suis venu ici pour vous présenter ma perspective ensemble avec Nabil qui est palestinien. Et moi, je suis juif d'origine d'une famille de l'Europe de l'Est. Tu veux que je non. Je pèse ici? Non, non, c'est déjà fait. Commencé. Hein? Juste regarde ici. Ah, OK. C'est une la partie, d'accord. On va mettre cette discussion, on va la mettre sur YouTube. Comme ça sera archivé pour tout le monde. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, je viens d'un milieu juif orthodoxe même. Ma famille, c'était des travailleurs en Varsovie, Pologne, et notre ville d'où vient mon père, Lublin, au sud de la Pologne. Et chacun de mes parents, c'était les escapés du ghetto après l'occupation par les nazis. Et ils sont réfugiés en Russie pendant la guerre. Et après, ils se trouvent dans un camp de réfugiés en Allemand, autour de la ville de Breslau, où j'étais conçu. Alors, j'étais porté sur la mer jusqu'au Toronto, où je suis né après la guerre. Et j'étais élevé dans une tradition juive orthodoxe. Mais par après, j'ai trouvé ma propre piste. Mais j'étais élevé d'une manière non sioniste. Ça veut dire que la plupart des Juifs en Europe n'étaient pas sionistes. Ça veut dire pro-Israël, le régime en Israël maintenant, qui dépassait les Palestiniens, comme la Bible ici. Alors, malgré que j'étais élevé d'une manière traditionnelle, j'étais élevé d'une manière anti-sioniste aussi à la fois. Alors, je peux vous donner ma perspective et analyse de manière un peu plus objective à propos du Moyen-Orient et de la Syrie en particulier et par association à la Palestine aussi.
Alors, je vais commencer par vous donner un cadre d'analyse. Ce que je vais écrire ici, juste tout de suite. Si on commence avec une vision globale, on parle de globalisation, oui? Mais il y a deux manières à regarder la globalisation. L'une, c'est dans les relations. L'autre qui est contreposé, relation inter, cette fois-là avec un trait d'union. Fait toute la différence. Entre les deux catégories. La relation internationale, c'est bien connu comme encadré par les Nations Unies, où il y a 196 États. Le plus récent, le 196e État, qui vient d'être reconnu par les Nations Unies, c'est la Palestine, mais c'est reconnu comme un État obligatoire. Mais c'est reconnu comme un État dans le même État que c'est reconnu comme Israël. Alors il y a une contradiction entre la reconnaissance d'Israël et la reconnaissance de la Palestine. Ça ne fait pas de sens. D'une manière formelle, c'est une contradiction. Comment expliquer ça? Parce que dans les relations international, on parle de relations entre les nations dans le sens ethnique. Les nations ethniques contre les nations États. Alors, État, nation, et je vous rappelle quand j'ai donné dans le cours la différence entre politique, qu'est-ce qui fait que le politique et l'État, c'est deux choses séparées. Les nations ne sont pas toujours des États pour les représenter. C'est le problème, évidemment, de la Palestine. Et on met une parenthèse autour des États parce qu'il y a énormément des ethnies dans le monde qui ne sont pas reconnues comme États. À peu près 3 000, comme les Québécois. Alors, les Québécois existent, même reconnus par le Parlement du Canada comme une nation. Une nation ethnique. Mais une nation ethnique n'est pas un État-nation. Alors, il y a toute une différence entre les deux sortes de relations internationales. Pour prendre ça comme le cadre de discussion, on arrive ici, à la carte de Syrie. Vous voyez, ici, c'est ce qui s'appelle Israël comme État-nation, et aussi comme la Palestine, comme nation-État ethnique. Malgré qu'il n'y a pas de vraie séparation ici, dans le sens sur le territoire nord-sud, parce que les Palestiniens et les Israéliens juifs vivent dans le même territoire. Il y a même une ville ici, Acre, qui est composée 50% 50% palestiniens qui vivent ensemble. Alors, le conflit n'est pas entre les peuples, mais c'est entre un État, une nation, et un peuple qui est dans cet État-là. Alors, on doit prendre ça en considération pour faire une analyse en profondeur. On doit prendre en considération les États-nations et les nations qui ne sont pas reconnues. La relation de Syrie vers le monde arabe est particulière quand ça arrive à la Palestine ici. Ça, c'est la question de la Palestine, c'est comme une question.
question déterminante qui expose la nature et la relation de chacun des États existants dans le monde arabe. Le monde arabe ici, c'était plutôt unifié par le mouvement islamiste il y a quelques siècles. Et maintenant, c'est rendu de Syrie jusqu'au Irak et s'arrête à le golfe de Perse, qui est aussi, s'appelle le golfe arabe par l'Arabie saoudite. Mais ça s'appelle le golfe de Perse par l'Iran, parce que l'Iran, c'est un pays qui n'est pas arabe, mais c'est Perse. C'est une autre civilisation, et avec une autre langue, mais la même religion, en effet. Alors, la couche politique et la couche religieuse, ce n'est pas la même chose. Il y a deux couches différentes, et même dans le cadre de la religion islamiste, il y a des couches différentes aussi, deux, trois, etc. Alors, si on commence avec la Syrie ici, on voit que c'est un pays assez large, à côté du Liban et Israël. Et ici, il y a un morceau, Golan, qui était occupé par le militaire d'Israël durant la guerre de 1967, quand tout le territoire ici s'était occupé par l'Israël, même le Gaza cette fois-là. Mais depuis, le Gaza s'était lâché, parce que c'était encombrant pour le pouvoir d'Israël pour le garder sous contrôle militaire. Et le parc ici, il y a une petite ligne orange ici qu'on ne voit pas, qui était le territoire occupé par la Jordanie auparavant. En 1948, à la naissance de l'État d'Israël, c'est les milices sionistes qui font un accord avec le roi de Jordanie pour partager la Palestine. Malgré que les Nations Unies a donné naissance de deux États, un Israël et une Palestine. Mais la partie de Palestine s'était occupée par la Jordanie. Et la plus grande partie qui s'était prévue par les Nations Unies s'était occupée par l'Israël à cette fois-là. Alors, ce qui est resté pour les Palestiniens, c'était rien. Mais Syrie, c'était un allié des peuples palestiniens par Europe. Et c'est revendiqué le premier de l'indépendance des Palestiniens longtemps. C'était considéré comme un allié primordial des Palestiniens. C'était aussi un allié des ministres de Hezbollah, islamistes ici en Iran, qui a lutté dans une guerre civile pendant 20 ans. Avec les autres partis qui sont compris dans une société assez pluraliste ici en Iran. Et en relation avec l'Arabie Saoudite, aussi, la Syrie a été plutôt indépendante parce que l'Arabie Saoudite s'était alliée avec l'État sunni, avec qui c'était des relations pour le pétrole qui était dominant. La Syrie n'a pas bien fait avec le pétrole. Et alors, c'était pas dans ce cadre économique, mais l'Arabie Saoudite s'est joué un rôle comme un client de l'État sunni qui a gardé le contrôle de toute la région ici pour que ce n'échappe pas de l'intérêt économique de l'État sunni dans la région, pour le pétrole et les autres choses, comme le canal de Suez, ici qui était primordial pour rejoindre le monde occidental vers le monde oriental, comme l'Inde. Alors, la différence entre le monde occidental et oriental se suit une ligne ici, qui est juste là. Il y a une incursion de l'origine sioniste ici, qui est plutôt un allié des puissances occidentales. Et le monde occidental aussi s'arrête en Maroc. Alors, cette région-là, c'est très, très volatile, très important. C'est aussi un ancien territoire qui était
le premier moyen pour la migration humaine à sortir de l'Afrique. La migration des humains d'Afrique est passée par ici, vers l'Europe, vers le sud de l'Europe, parce que à cet âge-là, le nord de l'Europe, c'était encore sous la glace. Et l'autre passage qui était plus important à cet âge, c'était vers le monde occidental, qui était les premiers lieux qui étaient colonisés en dehors de l'Afrique. C'est pourquoi cette région-là, c'est plein de nations. Il n'y a pas une seule nation. Dans le monde occidental, où c'était des territoires ouverts et colonisés par un pouvoir colonial à la fois qui a planté leur propre nation dans une région, maintenu une certaine hégémonie, établi des États-nations, comme prévu en Europe avec le traité de Westphalia en 1648, qui établit des nations-États, un modèle d'Allemand, un modèle en plus populaire comme la Prussie. Le traité de Westphalie, en français. Westphalie, oui. Oui. C'est ça le modèle occidental d'un pays. Mais ce modèle, malgré qu'il s'est implanté ici en Israël, ne fonctionne pas dans le Moyen-Orient, parce que dans chacun des pays, il y a comme 5 ou plus ethnies qui vivent ensemble. Ici, dans la Syrie, il y a les Kurdes, qui est une ethnie particulière qui réside ici, aussi dans la Turquie, il y a des îles, aussi dans l'Irak, où il y a le pétrole ici. Mais il n'y a pas d'État pour cette ethnie, malgré que c'est peut-être plus grand que le peuple syrien. Ici, à cette fois-là, le pays est divisé pendant cette guerre civile, et l'Est ici, sur la frontière avec l'Irak, c'est maintenant sous le contrôle de la milice de Nasra, Nasri, qui est relié maintenant avec ce qui s'appelle l'Al-Qaïda en Irak. L'autre partie de le militaire qui est orienté vers le monde occidental, c'est contrôle le territoire qui est autour de la ville d'Alep, qui est une ville très importante, aussi importante que Damas, qui est la capitale aussi. Ça, c'est sous contrôle de le régime d'Assad encore, qui est un régime allié qui est basé sur une communauté qui s'appelle Alawite, qui est comme moitié islamiste, moitié chrétien, c'est très particulier et petit. C'est aussi un groupement qui est pas seulement le total de la partie basse qui contrôle le gouvernement ici, mais c'est aussi le groupement ennemi qui est plutôt des officiers dans le militaire. Et les soldats sont des gens ordinaires de bas classe qui sont des chiites. Alors, c'est une révolte de plusieurs parties ensemble et pas nécessairement avec un particulier, une partie une religieuse ou une partie politique particulière. C'est très hétérogène. Et c'est un conflit qui peut éclater en soi-même aussi. Ça peut être en conflit pas seulement avec le régime en Damas, mais ça peut être un conflit entre le regroupement ici et le regroupement islamiste ici aussi. Mais pour le moment, ça, ce n'est pas quelque chose qui est hors de politique et tombé dans le domaine du militarisme, mais c'est plutôt une différence en politique pour le moment. Mais comment faire une évaluation de la régime en Syrie? Mais il y a, dans le contexte de relations internationales et étatiques, on voit que la Syrie a joué un rôle assez intéressant pour faire une alliance par avant avec le parti Baath, qui était le même parti qu'ici, qui était en pouvoir ici en Irak avec Saddam Hussein. Ce parti s'était mis hors de pouvoir avec l'occupation des États-Unis. Et mais quand même, il y a des relations qui existent entre la Syrie et l'Iran, parce que l'Iran donne les parlements des ordonnances pour la guerre de le régime en Syrie contre sa propre peuple. Et les armes, les ordonnances de transit par l'Irak. Alors ça, c'était un
croissante de pouvoir qui était autour de l'Arabie saoudite et contre l'Arabie saoudite. C'était comme une configuration de la guerre tranquille du monde occidental contre le monde. C'était une confrontation entre le monde oriental, islamiste, contre le pouvoir ici qui était lié avec les États-Unis. Mais cette alliance-là s'était brisée par l'occupation de l'Irak par les États-Unis. Et maintenant, la Syrie était un peu, c'était un peu isolée. Et c'était confronté par les États-Unis d'une manière, mais d'une autre manière, si on parle des relations internes entre les ethnies, les États-Unis et l'Occident ne peut pas trouver ses propres alliés dans les milices et les forces de la révolution qui comprennent le régime ici. Alors c'est une complexité assez intéressante parce que malgré que la Syrie c'était un pouvoir contreposé contre l'influence des États-Unis dans la région, contre l'Arabie saoudite, quand même au niveau interne de l'Orient et interne à sa propre peuple ici, qui est hétérogène. Tu dis chiites ou les sunnites en Syrie déjà? En Syrie, ce sont les sunnites? Non. Les chiites. Ce sont les chiites. Et malgré ça, c'est le revolte de ces gens-là qui sont chiites sont soutenus par l'Arabie saoudite et le Qatar ici. Et aussi le pouvoir iran qui est chiite ne soutient pas les chiites qui sont en revolte contre le régime ici. Alors, les lignes des alliances ne suivent pas les lignes religieuses. Ils suivent plutôt les lignes politiques et pas religieuses, malgré que c'est considéré comme un conflit entre les chiites et les sunnites. Mais ça, c'est toute une autre question. Et ce n'est pas la question qui est dominante à ce moment-là. Mais si on fait l'analyse de ce que la Syrie a joué comme rôle dans le Moyen-Orient, à propos les États, on peut voir que c'était un État qui était plutôt indépendant et qui a joué un rôle en mesure d'aider les espérances de le monde arabe pour être des pays indépendants. Après la période de colonialisme, c'était la révolte le bien connu de l'Algérie, la bataille de l'Algérie, qui a gagné les indépendances contre les pouvoirs coloniaux. Mais par après, c'était une question d'indépendance économique de chacun des pays et chacun a lutté pour leur propre intérêt, leur propre indépendance économique d'une manière ou d'une autre. L'Arabie saoudite a monté le prix du pétrole dans sa propre intérêt et a gardé les bénéfices dans une élite assez étroite. Et les autres pays ont lutté pour leur propre indépendance économique et politique. Et des fois, comme dans cet exemplaire ici de la Syrie, pour l'intérêt d'une certaine partie politique et une certaine couche de cette société. Abraham, est-ce qu'on peut juste t'arrêter deux secondes pour voir s'il n'y avait pas des questions avant que tu continues sur ce qui a été dit jusqu'à présent dans la classe? Est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que ça va jusque-là? Tout le monde a compris? C'est bon? Continue? Okay. OK. Pour faire un examen du rôle de Syrie, le régime en Syrie, à propos de la politique interne de la région, du monde arabe et de la Syrie même, je vais vous donner trois exemplaires. Parce que malgré que la Syrie, c'était un allié de Hezbollah et des Palestiniens qui luttaient contre l'incursion de l'État sioniste ici d'Israël, qui a apporté l'influence occidentale de la Moyen-Orient, on peut voir que la Syrie
a joué un rôle assez ambigu. Par exemple, en 1970, j'organise cette une guerre civile parce qu'il y a énormément de réfugiés palestiniens qui étaient envoyés vers la Jordanie ici, qui sont maintenant 3 millions dans les, plutôt comme dans les camps de réfugiés encore. Il y a des concessions que le roi de Jordanie a données pour les Palestiniens pour qu'ils puissent jouer un rôle dans la société avec des certains droits, mais pas des droits complets comme prévu pour les citoyens complets de la Jordanie qui sont sous la famille Hachemite qui fait le pouvoir ici, le roi de Jordanie. C'est une famille Hachemite qui est reliée avec la famille qui était au pouvoir ici en Arabie Saoudite aussi. C'était comme des clans qui un peu feudales, je veux dire. Qui contrôle le pouvoir ingénieur. En place par les pouvoirs externes qui sont en relation avec ces familles pour garder leur propre influence les relations commerciales de l'Arabie Saoudite et aussi la même chose qui se passe en Jordanie. Mais en 1970, les Palestiniens ne peuvent pas tolérer la collaboration de le roi de Jordanie avec l'État d'Israël qui procède le déplacement des Palestiniens vers le Jordanie. Alors, toute cette contradiction se trouve en Jordanie, c'est une guerre civile. Et Assad, le père de président Assad, son père et lui, parce qu'on le voit toujours dedans. Refusé à donner du soutien aérien avec la force aérienne de la Syrie pour soutenir les Palestiniens ici qui étaient en train d'être massacrés par le régime de Jordanie. Ça, c'était la guerre de septembre noir en 1970. Alors, ça, c'est un exemplaire comme la Syrie a joué un rôle je prends mes lunettes. Néfaste pour les peuples arabes. Un autre exemplaire, dans la guerre civile en Iran, la Syrie a joué un rôle aussi épouvantable quand en 1976, 6 ans plus tard, quand la Syrie s'est fait une alliance avec la milice en Iran qui s'appelle les phalangistes. C'était une communauté ancienne chrétienne qui était contre la présence des réfugiés palestiniens, qui étaient assez nombreux en Iran aussi. L'entrée des Palestiniens qui s'enfuient de Haïfa ici, par bateau jusqu'au Liban, en effet, c'était les Palestiniens qui étaient jetés dans la mer. Et ils sont arrivés ici en Liban, ils ont pris une résidence dans les camps de réfugiés, et une guerre civile qui éclatait par après parce que l'influence des Palestiniens dans la société s'était rejetée par les Libanais de souche, soi-disant. Et c'était les chrétiens avec le milice phalangiste et un milice s'appelle Amal, qui était l'islamiste libanais aussi, qui était contre les Palestiniens cette fois-là. Alors, il y a un camp de réfugiés qui s'appelle Tal al-Zatar, qui a été attaqué par les alliés de Syrie, les phalangistes, il y a 3000 morts dans ce massacre de ce camp de réfugiés en 1976, qui est un peu pareil comme le massacre des camps de réfugiés en Sabra-Shatila, ici autour de... quelle année déjà, de Beyrouth. On ne voit pas les Beyrouth, mais c'est ici, Beyrouth, la capitale de Liban, et les camps de réfugiés autour. Ici, c'était massacré par les milices phalangistes encore une fois. Mais, à cette fois, la deuxième fois, deuxième massacre avec les alliés d'Israël, avec général Sharon. C'est comme incroyable l'histoire du Moyen-Orient dans ce sens-là. Quelle année ça va se dire? Ça va se dire, c'était 1982, dans la guerre
première invasion de Liban par Israël entre 82 jusqu'à 85. C'était une guerre là-bas. Alors, ça, c'est montre que la Syrie s'est fait une alliance avec ses propres intérêts, dans le sens d'une étatique, intérêt pour le parti Baath, avec ses alliés, les phalangistes, et aux intérêts de la propre famille d'Assad pour garder le pouvoir, qui est devenu comme une monarchie, le père a donné le pouvoir pour le fils après, etc. Alors ça, c'est un deuxième exemplaire, c'est quoi le rôle de Syrie dans la région. Et un troisième exemplaire. Un exemple. C'est ici dans le Golan qui est occupé. Ce morceau de la Syrie qui appartient à la Syrie, qui a été occupé par Israël. Et la Syrie n'a jamais contesté le contrôle d'Israël sur ce territoire de la Syrie. Jamais. Malgré ce fait de prétendre que c'est contre l'incursion colonialiste, en effet, pré-colonialisation de la région par cette agence qui est ici, ça s'appelle Israël. Alors, il y a trois exemplaires où la Syrie a joué un rôle rétrograde pour l'intérêt du monde arabe et qui est contreposé les alliances étatiques de la Syrie qui jouent dans le monde aussi à la même fois. Alors, on peut voir qu'il y a une contradiction entre les deux rôles, comme État et comme membre de la société civile du monde arabe. Parce que malgré les frontières ici et tout cela, le monde arabe, c'est une société qui travaille ensemble, qui vivent ensemble, qui parlent ensemble. Et ça, ces frontières ici, ce n'était pas décidé par les Arabes eux-mêmes. Ça, ces frontières ici, c'est décidé par les pouvoirs coloniaux dans le traité de Sykes-Picot en 1920. Sykes, c'est britannique et Picot, c'était français. Alors, c'était Angleterre et la France qui coupaient tout le monde arabe ici dans des morceaux comme tel. Et aussi, qui a joué un rôle dominant dans l'occupation de la Palestine aussi. Alors, vous voyez qu'il y a une certaine complexité pour cette question de la Syrie et le rôle que se joue dans le Moyen-Orient complet. Merci. On va peut-être passer à Nabil et puis après on pourra passer à cette période de questions. D'accord. Est-ce que tu veux compléter, Nabil? Oui. Bon. Comme vous voyez, ça a l'air très compliqué tout ça. Ça y est, encore plus que vous ne le pensez. Parce que vous avez trois religions importantes avec chacune. Ces divisions, l'Église catholique, orthodoxe, vous avez des musulmans qui sont sunnites, chiites, il y en a des druzes, il y a des alawites, bref, nous avons l'éventail complet des différences possibles entre tous ces gens-là. Vous avez aussi le pétrole. Il ne faut pas négliger que les trois pays, l'Arabie saoudite, l'Irak, et l'Iran sont des gros producteurs de pétrole. En fait, ils ont la plus grosse production de pétrole, les trois ensemble. Vous avez aussi la rivalité séculaire depuis très très longtemps entre les sunnites et les chiites. Les sunnites, ce sont les rois d'Arabie saoudite qui contrôlent tous les musulmans d'obédience sunnite dans le monde entier. Il y en a, pas oublié, vous avez 1 milliard 200 millions de musulmans dans le monde. Il y en a en Afrique, au Nigeria, partout. Et c'est l'Arabie saoudite qui est le centre de cette vocation religieuse. Vous avez de l'autre côté les chiites. Il faut bien comprendre la rivalité qu'il y a entre eux. Vous avez les chiites qui sont
en rupture avec les sunnites à cause d'une vieille querelle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais quand le prophète Mohammed a commencé l'islam, a écrit le Coran et tout ça, il avait désigné son gendre Ali comme successeur, c'est lui qui devait prendre les rênes du pouvoir religieux à cette époque-là. Ali a été assassiné et depuis lors, les chiites sont évidemment en guerre idéologique, si l'on veut, avec les sunnites. Maintenant, de ces deux groupes, vous avez la Syrie qui est évidemment islamique, musulmane, mais plus modérée. Ce qu'on peut appeler bon, un régime qui tolérait les différentes ethnies. Évidemment, les sunnites, ils se sont alliés aux chiites, donc d'Irak et de l'Iran. Ce qui n'a pas fait plaisir à l'Arabie saoudite, aux Émirats du Golfe, à Israël, à la Turquie, à la Jordanie, au Liban, tout ça, ça a commencé à bouger, chacun essayant de récupérer le maximum d'importance dans la région. Donc la guerre à finir, à mon sens, est un peu entre les sunnites et les chiites. Donc, pour bien situer globalement le conflit, vous avez les sunnites, donc l'Arabie saoudite, alliée de l'Amérique, et ça depuis fort longtemps. L'Amérique étant alliée d'Israël, la Turquie faisant partie de l'OTAN. En Jordanie, vous avez le royaume hachémite, avec les rois qui sont cousins, comme l'a dit mon collègue ici, Dr. Weissler, de l'Arabie saoudite. Et vous avez le Liban qui est partagé entre des chrétiens, des musulmans, des druzes, toutes sortes de choses qui ne sait pas trop où aller, comment se débrouiller. Le Hezbollah au Liban est un bastion chiite qui, évidemment, est financé, aidé et fourni comme armement par la Syrie et l'Iran. Pour casser cet axe, Iran, Syrie, Liban, la Syrie était, comme vous pouvez le constater sur le plan géographique, elle est à la jonction, elle est sur le passage de en essayant de fomenter toute cette guerre civile en Syrie, on permet donc, on casse un peu l'Iran dans sa velléité de se doter de l'arme nucléaire, d'une part. On affaiblit le Hezbollah, les Turcs récupèrent aussi des munitions américaines, la Jordanie essaie de se débrouiller tant bien que mal pour se tirer d'embarras parce que 60% de la population jordanienne est d'origine palestinienne. Alors comme vous voyez, le conflit est quand même très compliqué. Vous avez les religions, les idéologies, vous avez le pétrole et vous avez l'Est et l'Ouest parce que la Russie et l'Amérique ne sont pas tout à fait d'accord et la Chine avec sur ce qu'il y a à faire avec la Syrie. Voilà. C'est peut-être rappelé aux étudiants, je ne sais pas si vous êtes au courant, des alliances en fait, qui se sont faites. La Chine et la Russie appuient le gouvernement syrien actuel et Israël et l'Arabie saoudite, je pense, sont contre. Et les États-Unis, évidemment, sont contre le gouvernement, appuient la rébellion, mais indirectement. Donc ça, c'est important parce que là, on voit qu'il y a des enjeux internationaux dans tout ça. C'est-à-dire que la Russie ne veut pas que la Syrie tombe littéralement dans le giron islamique, intégriste, si l'on veut, parce que c'était quand même un pays avec qui ils avaient des relations. Et qui leur permettait aussi de vendre des armes. Il ne faut pas oublier que les armes sont aussi, il y a un autre facteur qu'il faut garder à l'esprit. L'armement est peut-être la principale industrie mondiale. C'est vraiment inquiétant de penser ça parce que vous avez
même les grands fabricants d'automobiles, les quatre plus grands ne font pas plus un plus gros chiffre d'affaires, imaginez, que l'armement dans le monde. Donc il faut toujours que cette société, hélas, soit alimentée par des vendeurs de canons. Et il faut que, et à ce moment-là, les populations, les clans, les groupes se forment, et voilà, on se retrouve dans cette situation. Maintenant, le conflit en Syrie, donc, c'est vrai que le président là-bas, el-Assad, qui a hérité de son père aussi, le règne, si on veut dire, présidentiel, parce que là-bas, c'est de père en fils, même pour les présidents, c'est le premier ministre, en quelque sorte. Un peu comme chez nous ici, pour Justin Trudeau, peut-être. Il a été élu. Il est élu. Et vous avez donc, en Syrie, vous avez une situation où il n'est pas question de laisser un régime islamiste modéré se débrouiller pour aider les Iraniens, les Libanais, tout ça. L'Arabie saoudite et le Qatar, les Émirats, avec leurs alliés occidentaux, ont décidé de se débarrasser de la Syrie, qui ne veut pas vraiment prendre position d'un côté ou de l'autre. Si vous avez des questions, on peut essayer de répondre à vos questions du mieux possible. S'il n'y a pas de questions, c'est bon signe. Ça va. Mais comme vous avez dit, vous citez les États-Unis par rapport à la rébellion, ils vont appuyer et pas appuyer. Bon, alors, on a dit, quand il y a eu le printemps arabe, hein, pour revenir un peu aux événements, parce que cette guerre civile en Syrie date de 2 ans à peu près. Le printemps arabe, il faut s'entendre un peu, là, c'est des slogans. Il y a un peu de désinformation, il faut essayer de comprendre, faire la part des choses. Si on parle de la Tunisie, pour commencer, Ben Ali, bon, c'est un régime comme ça, un peu banditisme, qui récupérait tout ce qu'il fallait faire. Et bon, il y avait évidemment une révolte qui s'est faite, il est parti. De toute façon, ce qui est étonnant, c'est que l'Arabie saoudite l'a appelé au téléphone, lui a dit, viens, on t'offre la tranquillité et le... Non, il vit en Arabie saoudite. Bon, alors, le pouvoir a été pris par des islamistes, mais c'était un peu la mèche qui a tué la Libye. La Libye, ça fait longtemps que l'Angleterre, l'Europe, l'Occident, en général, veut se débarrasser de Muammar el-Kadhafi. Lui, leur a posé toutes sortes de problèmes. Et il y a le chien enragé, Timothée. Oui, et qui a fait surtout, qui semble-t-il, a participé à l'attentat d'un avion, si vous vous rappelez, de ligne à Lockerbie. Finalement, il y a deux de ses agents qui avaient fourni les explosifs pour le attentat. Ça, l'Occident ne lui a pas pardonné, on attendait simplement le moment opportun pour se débarrasser de lui. Donc, il a déjà tué son fils dans un bombardement de nous, ses fils. Oui, alors il y a eu, de temps en temps, il y avait des escarmouches avec l'Occident, mais il se tirait toujours d'affaires, évidemment, il y avait le pétrole que les Américains prennent le tir en Libye. Et puis finalement, maintenant, tout l'argent qui était l'argent libyen qu'il avait accumulé, que la Libye avait accumulé 200-300 milliards, voire plus, difficile à compter, les montants sont faramineux, en faisant chuter le gouvernement de Kadhafi, on a récupéré tout cet argent, et avec cet argent, on a fourni les munitions, les armes aux rebelles venus du monde arabe un peu partout. En fait, il faut s'entendre, des mercenaires payés tant par mois, des anciens policiers, soldats dans l'armée, tout ça, qu'on envoie d'Égypte et d'ailleurs d'Algérie, du Maroc, des gens qui finalement n'ont même pas quelque chose à faire chez eux de valable, parce que les économies sont quand même faibles et handicapées à ce point de vue. Alors on s'est débarrassé, pour répondre à votre, je continue sur votre question, la Tunisie et puis la Libye,
Évidemment, l'Algérie, on ne touche pas à l'Algérie parce qu'elle est avec la France, sous contrôle français, qui aide beaucoup le gouvernement Bouteflika, le président qui est là. Et évidemment, le Maroc aussi, on ne touche pas à ça. C'est le roi du Maroc qui est parent avec les rois d'Arabie Saoudite. Ça, ça va. Alors, si on va vers l'Égypte, les frères musulmans, soi-disant modérés, ont pris le pouvoir en Égypte. Mais le pouvoir en Égypte dépend beaucoup de l'aide matérielle, le blé qui vient d'Amérique, l'argent qui vient d'Arabie Saoudite, parce que c'est un pays qui a une démographie galopante, 1 million de naissances par année, dans un pays de 80 millions, donc ils n'ont même pas le temps de fabriquer, ni de faire ni des maisons, ni quoi que ce soit, ça augmente à un rythme effréné. Et la moitié de la population en bas de 30. Et la population, oui, 60% de la population en bas de 25 ans. Bien, en bas de 25 ans. Alors, vraiment une jeunesse. Mais ils n'ont pas de travail. Et il n'y a pas de travail. Et puis, bon, les seuls revenus de l'Égypte, c'est le canal de Suez. Et il y a un peu de tourisme quand il y en a, parce que là, quand il y a des conflits comme ça, il y en a beaucoup moins. Évidemment. Bon, alors ça c'est pour l'Égypte. Donc l'Arabie, si vous dites, si vous regardez sur les cartes, parce que là on ne l'a pas là, l'Arabie Saoudite en bas. L'Arabie Saoudite gère un peu tout cet univers-là de musulmans pour les faire avancer dans le sens que les wahhabites ont les Ibn Saoud, les rois d'Arabie Saoudite. Bien avancé. Avec eux, il y a tous les Émirats du Golfe, et donc l'ennemi héréditaire, c'est, nous avons dit, l'Iran, qui en plus, l'Iran, quelle horreur, veut se doter de l'arme nucléaire éventuellement, sinon elle a commencé avec des centrales nucléaires. L'Iran dit qu'elle ne veut pas l'arme nucléaire, elle dit, on veut nous aussi profiter du nucléaire, mais sans avoir à payer l'Occident ou quelque chose pour ces centrales-là. On va le faire nous-mêmes. Mais ça, évidemment, Israël, dans tout ça, qui est, c'est une question de survie pour Israël là-dedans. L'Iran doté d'une arme nucléaire, ça serait le cauchemar de l'Arabie Saoudite et d'Israël. Sauf que Israël est doté, elle a à peu près, d'après ce qu'on a pu comprendre, 200 à 300 bombes atomiques. Elle ne figure même pas dans le scénario des pays qui ont ou qui n'ont pas la bombe atomique. Il y a un truc vraiment un peu quand même aberrant, parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas un pays, il n'y a pas un forum, il n'y a pas. Les Nations Unies n'arrivent pas à dire, est-ce que vous avez la bombe atomique ou vous ne l'avez pas? On a des centrales nucléaires dans le Negev, mais on a des bombes atomiques peut-être, peut-être que non. Évidemment, Israël est en situation pour détruire tout le monde arabo-musulman autour d'elle en deux jours. Il n'y aurait plus rien, évidemment, si c'était vraiment acculé. Donc Israël est un allié de l'Arabie Saoudite, mais d'une façon comme deux ennemis qui s'entendent pour se débarrasser du troisième, si on veut, un truc comme ça. L'Iran, dans tout ça, voilà, on voit que l'Iran change de gouvernement, il y a eu des problèmes avec la Turquie, il y a eu un attentat, je pense, récemment, à la frontière entre la Syrie et la Turquie. La Turquie risque d'entrer dans le conflit. La Turquie irait contre la Syrie. Ce que je peux vous dire, c'est que ce conflit-là possède tous les ingrédients indigestes pour que la planète vraiment commence une troisième guerre mondiale que l'on va avoir beaucoup de mal à arrêter parce que les intérêts sont énormes. Et vous avez les grandes puissances qui sont impliquées, vous avez le pétrole, vous avez les religions, vous avez la géographie, vous avez et toute cette haine-là qui s'entretient d'une guerre à l'autre, de par les massacres ici, de par les guerres, tout ça. Il y a des vieilles rivalités qui remontent à la surface. Est-ce qu'il y a une question? Oui, ça va? Oui.
J'ai une question. C'est quoi votre opinion par rapport à la couverture médiatique occidentale, précisément en Amérique du Nord, sur justement la Syrie, Israël et ou environ dans le Moyen-Orient, en fait, notamment avec les allégations d'utilisation d'armes chimiques par l'ASM, l'armée syrienne libre, qui est une cellule d'Al-Qaïda qui est financée par les États-Unis, quand les États-Unis, ils sont pour l'ASL en Syrie, mais contre Al-Qaïda dans d'autres pays. C'est quoi votre position par rapport à ça? Est-ce que c'est... Chacun prêche pour sa paroisse. il est évident que pour se débarrasser du colonialisme syrien, tous les médias occidentaux travaillent dans le sens de saboter, si tu veux, quoi que ce soit que les Syriens peuvent revendiquer. Bon. C'est vrai qu'il y avait de la contestation en Syrie par rapport à l'économie, à d'autres problèmes qui arrivent. Il n'y avait pas, si on n'avait pas amené tous ces mercenaires, il n'y aurait pas de guerre civile comme maintenant. Parce que ceux qui sont arrivés, là, ce sont des mercenaires qui arrivent de tout le monde arabe musulman sunni pour rentrer là. Et renverser le pouvoir. Et renverser le pouvoir. On veut se débarrasser de Assad. Moi, je dirais jusqu'à dire que l'Arabie, si vous dites à payer Russie sur l'homme pour dire débarrassez-nous Saddam Hussein et El Assad en deuxième. Après, quelque chose à dire, je vous laisse. Je veux ajouter après à votre analyse. Pour commencer avec une raison pourquoi la Russie prend la partie de la régime de Damas. Ici, parce qu'il y a des liens historiques, politiques entre les deux, même quand la Russie c'était sous la domination du Parti communiste. Le Parti communiste, c'était un peu pareil comme le Parti Ba'at, qui était installé ici, qui s'est proclamé comme socialiste. Comme le Parti Ba'at qui s'est installé ici dans l'Irak aussi. Au nom d'un régime socialiste qui a fonctionné d'une manière pour augmenter le développement économique de la pays, mais au bénéfice plutôt d'une couche plutôt que les autres couches de société. Mais ce qui reste de cette alliance avec la Russie et la Syrie, c'est qu'ici, là, se trouve une base navale russe dans la Syrie, sur le côte de la Méditerranée, encore. Et c'est la raison pourquoi la Russie tient encore avec le Parti Ba'ath ici, même s'ils ne sont pas enchantés avec Assad comme tel. Permettez, le Parti Ba'ath que vous mentionnez existait aussi en Irak. Il y avait l'équivalent en Irak, le Parti Ba'ath socialiste arabe, qui maintenant évidemment n'existe plus en Irak, puisque on ne sait plus trop. Sauf qu'en Irak, le pouvoir, si vous êtes d'accord de dire que c'est il est chiite, le président de l'Irak, le premier ministre, est d'obédience chiite, puisqu'il permet le passage des armes de l'Iran, l'Irak, vers la Syrie, pour aider les Syriens, sinon les Syriens se coupent. Et ces armes-là viennent tout de Corée, entre autres choses, de Russie et de Corée, la Corée du Nord. La Chine vend des armes, que je vous ai dit tout à l'heure, comment l'armement est vraiment une industrie très importante. Alors, la Chine, pour vendre ces armes-là, se sert de la Corée pour envoyer par bateau et autrement l'armement que l'Iran a besoin, que la Syrie a besoin, etc. Alors, le Parti Ba'ath est encore au pouvoir. Ok, deuxième chose. La vague des révolutions qui est suivie d'ici jusqu'à là, c'était des révoltes plutôt par les jeunes pour les raisons économiques. Mais c'est devenu quelque chose qui est pris, qui a été ajouté par les frères musulmans, le mouvement islamiste. Et c'est le frère musulman qui a pris, qui a gagné. La pluralité dans l'élection d'Égypte ici, qui forme maintenant le gouvernement, malgré que le frère musulman n'était pas
à l'origine de la révolte qui est le printemps arabe. Même chose qui est passée en Tunisie. C'est le frère musulman qui a fait. En Libye, c'est une exception parce que c'est un pays plutôt séculaire. Alors, les frères musulmans n'étaient pas si forts là-bas. Malgré qu'une grande partie de l'opposition, c'était les islamistes qui étaient plus extrêmes que les frères musulmans. Alors, on arrive ici en Syrie, il y a une révolte du peuple contre un régime assez élitiste, mais les islamistes sont venus pour ajouter leur pouvoir avec la révolte indigène ici. Il y a même des milices qui sont venues de la Libye avec les armes. Il y a même des milices qui sont venues d'Irak pour aider la révolte ici contre le régime plutôt séculaire. Malgré que la Syrie, c'était un ennemi de le monde occidental et l'État unis en particulier, l'État unis ne peut pas trouver des alliés dans l'opposition. Il y a plusieurs conférences qui sont passées pour former une Free Syrian Army. Okay? Oui, qui un gouvernement provisoire aussi. Pas encore. Pas encore. Mais... Oui, mais cette armée-là, c'était comme à côté par les États-Unis, mais malgré qu'il y a une alliance politique avec ce groupement, il n'y a pas des armes qui étaient fournies pour les rebelles ici en Syrie, par le monde occidental encore. Alors, l'État est coincé entre un régime qui est un ennemi et une révolte qui est un ennemi potentiel. Mais Abraham, qu'est-ce que vous m'expliquez les bombardements israéliens alors, en Syrie? Oh, c'est une autre couche encore. Alors, durant cette révolte ici contre le régime, il y a une guerre qui commence entre Israël et Syrie. Israël prend l'avantage que le régime ici s'est coincé par la révolte. Alors, il attaque les installations militaires de Syrie pour affaiblir le régime ici, pour que ça ne peut pas se défendre ou attaquer le Golan ici, pour reprendre le territoire occupé par Israël. Mais ça ne va pas dire que c'est un bombardement qui aide des rebelles en particulier, parce que c'est deux choses séparées, parce que les bases militaires qui étaient bombardées ne jouent pas un rôle dans la lutte contre les rebelles. Est-ce que ce ne serait pas une façon de déstabiliser le régime quand même? C'est pas si fort que ça, mais c'est diminuer la stature de le régime. Parce que maintenant, Assad n'a pas riposté contre Israël, contre cette attaque. Il n'a pas fait encore aucune chose pour libérer le territoire syrien qui est le Golan, qui est colonisé maintenant par les colons sionistes d'Israël. Alors, il est discrédité au niveau politique, qui est très important, parce qu'il va perdre le pouvoir interne parmi les Syriens et parmi les Palestiniens qui sont ici aussi présents comme réfugiés. Alors, le quartier général en Damas, qui était le parti de Hamas, qui est au pouvoir ici en Gaza, s'est déménagé de Damas vers Qatar. Maintenant, s'est quitté Assad. Alors, il y a une diminution de l'appui politique vers le régime Assad de Syrie par les anciens partenaires. Alors, ce qui se passe maintenant en Syrie, que la révolte des jeunes et pour les raisons économiques, c'est mélangé avec la révolte des intérêts islamistes contre un régime plutôt séculaire. Alors, il y a une alliance entre les deux qui est plutôt par convenance, mais pas par politique. Et il y a le régime ici. Alors, le printemps arabe a changé maintenant pour devenir quelque chose religieux, ensemble avec les raisons sociales, les raisons économiques. Mais le potentiel pour que la révolte ici va gagner du terrain contre le régime, qui est considéré comme plutôt assez infaibli, que ça ne va pas durer si longtemps que ça, une autre année ou deux, peut-être au maximum.
le potentiel, c'est que cette révolution ici, cette force militaire, va virer vers le Golan ici. Même le Hezbollah, qui est encore un allié de le régime Assad ici, est prêt à attaquer pour libérer le territoire de Golan. Avec l'appui des rebelles, ici dans Syrie, il y a un groupement des Palestiniens qui étaient alliés avec le régime de Damas, qui s'appelle PFLP-GC, qui est prêt à attaquer aussi au Golan ici pour libérer le territoire Golan. Ça veut dire que ce sera une guerre entre la Libye, la Syrie, vers l'Israël, dans la région de Golan. Si ça continue pour un peu de temps, ça peut virer vers la Jordanie ici, où il y a un régime totalitaire très fort. Les gens là ont peur de même manifester. C'est très tranquille là pour le moment, mais ça peut éclater n'importe quand, avec l'appui de cette force ici. Quand c'est résolu la contradiction ici dans Syrie, ça va diriger vers la Jordanie. Mais le potentiel pour une guerre entre Israël et l'Iran, je ne vois pas. Je suis un peu discordant avec Nabil dans cette domaine. Il n'y a pas une troisième guerre mondiale, non? Je ne pense pas qu'il y ait un potentiel pour une guerre mondiale. Il y a tous les ingrédients vraiment pour que le conflit se généralise et se répande dans la région. Il n'y a aucun doute à ça. Parce que le régime Assad, que l'on croit peut-être tomber dans bientôt, risque de perdurer 1-2 ans. Entre-temps, il peut se passer plein de choses. Il peut se passer que la Syrie résiste à tous ces rebelles, qui ne sont pas vraiment financés et aidés par de l'armement qui vient de l'Occident. Et ça peut durer. Le pétrole, si on commence à faire sauter les puits de pétrole et les raffineries et tout ça, avec des missiles, c'est assez facile. On sait que les problèmes de sécurité des immenses terminaux pétroliers sont impossibles. Le prix du pétrole va monter en Occident. Et là, on va se retrouver dans il va falloir que les grandes puissances interviennent pour régler le problème et contrôler et la matière première et le prix. Donc moi, je ne suis pas pessimiste de nature, mais cette fois-ci, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui risquent de faire sauter la région. Mais Nabil, prends en considération qu'il n'y a pas de pétrole en Syrie, il n'y a pas de pétrole en Jordanie, et le fait que l'Iran joue avec le nucléaire. Oui, mais il y en a juste ici, pas loin, en Arabie Saoudite. La Syrie, ce n'est pas une question de pétrole. La Syrie, c'est une question qu'avec l'Iran et l'Irak, elle forme un bloc qui contredit les enseignements d'Arabie Saoudite, avec aussi un peu le Liban. L'Égypte, mettons que pour l'instant, elle travaille avec le plus offrant. Quand le Qatar vient offrir à des mercenaires, des soldats, 2 000-3 000 $ par mois pour aller faire le coup de feu en Syrie au nom des sunnites et tout ça, puisque c'est leur religion, les Égyptiens, ils vont y aller. Et c'est comme si on vous offrait 20 000 ou 30 000 $ ici par mois pour aller faire le coup de feu. J'en connais beaucoup qui allaient faire ça. Vous voyez qu'on peut faire des analyses divergentes avec les informations disponibles. Ça, c'est un peu spéculation, mais c'est aussi des analyses qui apportent des perspectives assez importantes. Il y a des parce choses. Parce que c'est vrai, la révolte ici, si ça passe en Jordanie, après, ça va entrer ici en Arabie Saoudite. Il y a déjà une révolte dans le nord-est de l'Arabie Saoudite où se trouve le pétrole. Alors, si la sécurité de des ressources de pétrole se met en danger, ça peut être occupé par les pouvoirs s'intéresser avec cette ressource aussi, qui génère une guerre plus généralisée. Ouais. Bon, dans le domaine des hypothèses, évidemment, on peut en parler sans essayer de convaincre tout le monde. On peut essayer d'aller un peu plus loin
dans ce qui peut se passer dans ce rapport géopolitique. Là. Peut-être laisser les questions, je veux dire. Oui, on peut se voir si vous avez des choses d'autres questions, des questions. Qui vous intéresse de savoir dans ce conflit, d'abord, qui est nouveau pour vous, j'imagine que vous n'êtes pas tellement au courant des difficultés. Oui, c'est une question plus au niveau de la Palestine occupée. Vous disiez tantôt qu'il y avait un village qui avait 50% de la population qui était juive, 50% de la population qui était palestine. Est-ce que le gouvernement israélien soumet la population justement à la propagande ethnocentriste ou nationaliste pour créer justement des tensions entre les Palestiniens et les Juifs, ou ils laissent ça, ils font pas de propagande en fait? Donc, il y a la politique du gouvernement courant, qui est encore un gouvernement de coalition plutôt vers la droite et ethnocentrique, qui voulait imposer une affirmation de loyauté vers l'État sur tous les citoyens, incluant les Palestiniens. Alors, il veut obliger les Palestiniens à déclarer leur fidélité pour un État sioniste, État-nation juif sioniste. Sur les Palestiniens, il veut imposer ça. Et si on ne fait pas cette déclaration, la prochaine étape, c'est qu'on peut être déporté. Alors, le mouvement sioniste veut encore faire se débarrasser des Palestiniens d'une manière ou d'une autre. Ils sont en train de détruire les maisons des Palestiniens qui ne sont pas donnés un permis de construction. Et des permis de construction pour une maison, pour les enfants, ils ne sont pas donnés. Alors, ils construisent les maisons quand même et après, ils sont détruits. Il y a encore des colons qui entrent dans le territoire qui était plutôt palestinien par avant. Ça, c'est West Bank? Oui, dans le Transjordanie, oui, West Bank. Mm-hmm. Alors, il y a encore cette expansion colonialiste qui a commencé en 1947, avant même la déclaration de l'État d'Israël, qui a commencé à faire l'expulsion des Palestiniens. Et ça continue jusqu'à ce jour-là. Mais maintenant, c'est plus tranquille parce qu'il y a beaucoup d'opposition parmi les Palestiniens, en sens de résistance, en sens d'opposition de société civile dans les manifestations, ensemble avec la résistance parmi des Juifs qui sont contre l'État sioniste aussi, qui veulent vivre ensemble avec les Palestiniens, parmi les Juifs ici, dans Israël, et aussi au niveau international, il y a un mouvement des Juifs international, comme moi, qui s'oppose à l'occupation des territoires palestiniens et la dénaturalisation des Palestiniens dans leur propre pays. Oui. Moi, j'ai une question par rapport. Vous dites que Assad est à la ouest. Dans le fond, cette population-là représente quelque chose comme 2% en Syrie ou quelque chose comme ça? Oui, ils sont pas nombreux, les Alaouites. Mais c'est ça. Puis on sait aussi que depuis le début du conflit en Syrie, il y a quelque chose comme au-dessus de 90 000 morts, de 90 000 personnes qui sont mortes depuis le début. Donc, moi, j'ai un ami qui est d'origine syrienne qui me dit dans le fond que ces forces rebelles-là. De quelle origine? Syrienne. Syrienne, ok, excuse. C'est dans le fond que ces rebelles. Dans le fond, ce qui arrive en Syrie, c'est carrément quasiment un génocide des Alaouites. Je voudrais savoir si. De la population en général, la population aussi, il y avait des Alaouites au pouvoir, avaient des alliances avec les Drus, les chrétiens, parce qu'ils ont des chrétiens métis, donc catholiques ou orthodoxes, bref, ils s'étaient arrangés pour s'entendre un peu avec la majorité de la population. Donc ceux qui écopent aujourd'hui, c'est des civils, purement et simplement, qu'ils soient sunnites, chiites, métis, Druze et autres, à la 8, ce n'est pas tellement, c'est uniquement pour que les islamistes prennent le pouvoir en Syrie. Ils veulent se débarrasser de lui et instaurer, évidemment, un gouvernement islamiste, qu'on soit d'accord ou pas, avec tout ce que ça peut amener, comme la charia un peu plus tard, là, on en a parlé en Tunisie, en Libye. Je pense qu'elle a été instaurée en Tunisie, hein, la charia. Comme loi. Mais le charia, c'est considéré c'est comme. C'est quoi la charia, l'instant de demander? Ah oui. Parce que vous avez affaire à des étudiants qui connaissent peut-être pas. Tout le monde sait c'est quoi la charia? Ça va? Oui? Ok. La loi traditionnelle islamiste, qui est traitée comme une base de données, comme une jurisprudence en Tunisie.
Et c'est pris comme une référence fondamentale, à peu près constitutionnelle. Mais il y a des lois par après qui étaient ajoutées dans les jurisprudences des cours nationales par après. Alors, c'est un peu pareil comme le système de lois dans le monde occidental qui prend les commandements de la Bible, les choses qui s'appellent soi-disant judéo-chrétiens. Cette tradition-là qui était considérée aux bases de la loi existante dans ces états séculaires, qui sont quand même basés sur une certaine tradition religieuse. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est tellement différent. On a oublié de parler aussi de la question kurde, parce qu'il y a des Kurdes qui sont un peu partout dans la région qui risquent aussi d'être... Oui, juste pour vous répondre à la question que vous avez posée, parce qu'on parle de la Syrie. Vous avez un gouvernement qui n'était pas nécessairement facile à vivre. Il était structuré pour ne pas qu'on puisse tout démolir sans permission. Il y avait quand même l'armée, la police, il y avait tout ce qu'il faut là pour les tribunaux et tout ça. Donc, est-ce que on peut se poser la question? Point d'interrogation. Est-ce que le régime syrien mérite réellement d'être chassé du pouvoir et que l'on s'en débarrasse au prix de autant de victimes que prévu, comme durant la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu se débarrasser du fascisme que plusieurs pays sacrifient de leurs citoyens. Donc, est-ce que le régime syrien était vraiment mauvais, tyrannique et arbitraire? Pas vraiment. On ne peut pas dire que c'était des gens qui fusillaient dans la rue ou qui emprisonnaient à tort et à travers pour toutes sortes de raisons. C'était un gouvernement qui devait évidemment tenir un peu les rênes du pouvoir pour survivre. Et si ce n'était des mercenaires, on appelle ça des rebelles, c'est des mercenaires. Hein. Parce qu'ils sont payés. Si vous êtes payé pour aller faire quelque chose, il y a une grosse différence entre le faire de votre plein gré et puis si on vous paye pour aller, et si on vous fournit en plus les munitions, l'armement, parce que c'est préparé à l'avance. Hein. Il y a juste une dernière chose que je voulais souligner qui peut se révéler importante. Il y a une hypothèse de travail sur laquelle on peut réfléchir. Barack Obama est allé au Caire, à Vincent du Caire, il y a quelque chose, un grand nombre de mosquées qui s'appelle El Azhar. Il y a l'université islamique et il y a aussi des mosquées pour les gens. Mais il y a un espèce, c'est là que le fondateur des Frères musulmans, le cheikh Hassan el-Banna, a fondé le mouvement islamique radical. Barack Obama va au Caire et il commence à discuter avec les Frères musulmans, je n'ose pas dire les gros bonnets parce qu'ils en portent un, les gros bonnets musulmans, islamiques, radicaux, soit salafistes ou wahhabites, tout ça, avec les chefs qui venaient d'Arabie Saoudite du Qatar pour l'Irak. À quel moment ça n'a pas exactement? Hein? À quel moment c'est arrivé ça? Il y a 3 ans qu'il était au Caire. Avant l'insurrection qui s'est répandue. Bon, là, il faut dire que l'Occident, nous, avec, on est confronté à une situation où des groupes armés islamistes peuvent faire des attentats. Bon, évidemment, ça pose des problèmes de sécurité, de budget, de tout, en tout genre, parce que c'est une forme, évidemment, de guérilla, en tout genre, là. De sabotage, d'attentat, comme on a annoncé pour septembre. Alors l'Amérique cherchait à canaliser, si l'on veut dire, les forces islamiques vers d'autres cibles que l'Amérique ou le Canada ou l'Europe ou ailleurs, en se disant, ok, ces gens-là, de toute façon, ils font le coup de feu parce qu'ils sont pauvres, ils n'ont rien, on va leur donner de l'argent, mais cette fois-ci, on leur donne de l'argent pour qu'ils aillent, oh, on va commencer par Ben Ali, on va voir si ça fonctionne,
Kadhafi, puis ensuite on passe. Et puis ensuite on les prend, les récupère, là, la petite gang, par l'Égypte, on les envoie en Syrie, aider les rebelles. Évidemment, si ces gens-là n'étaient pas allés en Syrie, il n'y aurait pas de guerre civile, comme on la voit aujourd'hui. Il y aurait peut-être des manifestations comme on voit à Montréal. Là, de façon de parler, il y avait quand même des gens qui se plaignaient du régime et des conditions de vie et tout ça. D'abord, mais pas au point de faire sauter la barre. Ah, excuse-moi. Oui. Ça, c'est vrai, pour une partie des rebelles, oui. Ici, dans oui. cette région-là. Oui. Mais l'autre partie des rebelles, qui sont plutôt séculaires, ne sont pas armés ni par le régime d'Arabie Saoudite, ni par les États-Unis, ni par le Qatar, ni par la Russie, ni par aucune Non, il y a des rebelles qui sont, mettons, Ici, les rebelles, des fois, ils perdent des batailles parce qu'ils manquent d'ammunition. Oui. Ils retirent de la bataille à cause de ça. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas si clair qui va gagner. Mais, je